La police nigérienne a démantelé un réseau clandestin de fabrication de produits pharmaceutiques dans la capitale, Niamey. Il s'agit pour l'essentiel de vitamines et des aphrodisiaques d'un poids total d'environ 10 tonnes. Ce sont des décoctions à base de plantes préparées dans des conditions insalubres et mises en bouteille sur place. À lire aussi, le pétrole du Niger passera par le Bénin des produits qui sont destinés à l'exportation au Nigeria, mais une bonne partie est écoulée sur le marché national. Les propriétaires des pharmacies reconnues officiellement ont toujours dénoncé ces réseaux clandestins de fabricants de produits pharmaceutiques. À lire aussi, une loi sur la protection des déplacés au Niger. 12 personnes faisant partie du réseau ont été présentées aux médias par l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, OCRTIS.